Ce mardi 1er août 2017, le chef de file de l'opposition politique, l'honorable Soumaïla Cissé, a reçu au siège de son cabinet une forte délégation du Conseil national de la société civile. Conduit par son président, M. Bourayma Alei Touré, la délégation a échangé avec le chef de file de l'opposition en présence des membres de son cabinet sur le projet de révision constitutionnelle. Pour M. Bourayma Alei Touré, président du Conseil national de la société civile, cet échange s'inscrit dans le cadre d'une médiation afin d'aboutir à un consensus. Des bénédictions pour notre pays ont été formulées à la fin de cette rencontre. C'est une mission, une commission indépendante de conciliation de la société civile qui a été mise en place sous l'initiative du Conseil national de la société civile. Et notre mission ultime, c'est de ramener la paix, la stabilité dans notre pays face à la cristallisation des opinions autour de la révision constitutionnelle que nous connaissons. Donc nous sommes donné une mission de rencontrer toutes les parties prenantes sans exclusive, comprendre les points de convergence et de divergence afin de renouer le dialogue entre toutes les parties du Mali pour la construction de ce pays. Donc c'est la raison ultime pour laquelle on est venu voir l'opposition politique et qui nous ont réservé un accueil vraiment très chaleureux et ils nous ont donné également leur version des faits que nous avons noté avec plaisir et que nous allons aussi continuer à faire nos différentes rencontres au niveau de la convention la mouvance présidentielle, également au niveau des confessions religieuses, des notabilités de notre pays, etc., etc. C'est après tout ce périple que nous allons avoir une journée de réflexion pour sortir un document et transmettre ce document à chaque parti pour que le dialogue enfin se renoue. Parce que nous en sommes face à multiples crises et la société civile ne peut pas rester vraiment indifférente. C'est notre rôle, c'est notre mission et nous allons remplir ce rôle et cette mission-là pour le bonheur de tout le pays.